Salut Romain, salut les filles, tu vas bien? Très bien, je te remercie mon petit Romain. Tu sais que tu n'as pas changé depuis le temps? Bah si, un petit coup j'ai fait la peinture. Ah oui? Très bien. Vous avez une mine superbe! Il faut des circonstances pareilles pour qu'on se retrouve. Quelles circonstances? Tout va bien. Oui. Vous êtes beau. Lily, tu es resplendissante. Merci. Ça va Marie? Comme tu vois. Je vois que ça va très bien. Puisque tu le dis. Bonsoir. Où sont vos petits chats? Nos petits chats? Vos enfants, je veux dire. C'est Solveig, la fille au père, les gars. Pardon, hein, c'est que j'ai perdu Pinoui. Alors, je suis un peu perturbée. C'est pas grave. Pas grave, Pinoui. Mais si, Victoire. On compatit. Alors, vous arrivez d'où comme ça? On dirait que vous revenez des Césars. C'est tout comme. Ah, mais c'est quoi ça? Le trophée Challenge Marketing 2012. Ah oui, c'est marqué dessus. C'est toi qui l'as gagné? Ouais. Génial. Oh, je suis fier Jean-Jean, j'ai toujours su que tu gagnerais des choses. Alors là, bravo Jean-Jean. Malheureusement, on n'a pas pu rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Il y avait une soirée de prestige avec Santini et Zidane qui devaient intervenir. T'es dans le foot toi maintenant? Non, la boîte a mis un peu d'argent autour des événements de l'équipe de France alors. Et puis, je les connais bien Jacques et Zizou, on est copains. C'est pour ça qu'ils viennent un peu pour nous remercier. Et puis c'est bon pour la motivation des commerciaux. Comme on est en phase de fusion-restructuration en ce moment. Eh mais vous allez rater Santini et Zidane? Eh oui, enfin. J'espère qu'on n'y perdra pas au change. Eh mon cœur. Avec le nôtre de Jacques, on ne gagne jamais rien, mais on n'est jamais déçus. Ça c'est bien vrai ça. Sacré Jacques. Ça fait plaisir de te voir, Marie. Écoute, tant mieux. Bon, le puzzle maintenant. Ma chérie, si tu peux me donner le morceau, s'il te plaît. Montrez-moi le vôtre. Merci, mon père. Ça ne marche pas. Il en manque, merde. C'était pas le bon ordre. Mais si, mais il en manque, je te dis. Regarde, on a beau les mettre dans tous les sens. Il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'essentiel. Attendons les derniers invités. Quel dernier? On n'est pas tout blanc ou tout noir. Mais... un peu blanc et... un peu noir. Voilà. Alors laissons-le avec son histoire, avec ses histoires et leur pardon. C'est drôlement bien ce que tu viens de dire, Jean-Jean, René. Je trouve que c'est hyper respectueux. Je n'ai rien dit d'exceptionnel. Si, si. Non. Vachement intéressant. C'est juste comme ça. Non, pas du tout. Mais si. Alors, si j'ai bien compris, tu crois que si on se livrait un tout petit peu, on apprendrait des choses sur chacun qu'on a ignorées pendant ces 20 années. Évidemment. Alors, toi, par exemple, il y a des choses qu'on ignorait et qui nous permettrait de dévoiler un peu de ta part d'ombre, comme tu le dis? Moi? Oui, peut-être, je sais pas, comme tout le monde. Tu pourrais nous dire quelque chose qui nous étonnerait et qu'on n'imaginait pas? Probablement. Mais ce n'est pas intéressant, on n'est pas là pour jouer au jeu de la vérité. Non, mais ça n'a rien à voir. On veut juste savoir une toute petite chose. Quelque chose d'étonnant, qui ferait qu'on te regarderait différemment. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Rien de particulier. Juste une toute petite chose. Bon, si on faisait un autre jeu! Non, je vais le faire, puisque c'est un défi. Réfléchis bien, quand même. Bon, eh bien, par exemple... J'ai peur. Fais pas l'imbécile, Romain! Je fais pas l'imbécile, j'ai peur, tu peux rien! Romain, arrête! C'est bon, je peux y aller? On t'écoute. Alors voilà. Contrairement à ce que je vous ai toujours raconté, je n'ai jamais été le meilleur ami de Nicolas Sarkozy. Et il n'a jamais été mon partenaire de tennis. Mais je l'ai croisé sur un cours une fois. Il y a longtemps. Voilà. T'es sérieux là? Oui, c'est la vérité. Non mais, ça nous raconte rien ça. Ah bah si, un petit peu quand mais même. Non mais on s'en fout déjà que Nicolas Sarkozy, on s'en foutait en temps normal. Mais désolé alors, si je n'ai pas de révélation plus spectaculaire. C'est pas une révélation ça.
Si, je vais souvent raconter que... Mais on s'en fout, t'as jamais cru. Ah bah si, moi pour ce que j'avais marché, hein. Non mais ça vous apprend rien sur toi. Si, ça vous apprend que je suis capable d'enjoliver, un petit peu. Ça, on l'a toujours su, mais on t'en veut pas. Qu'est-ce que vous avez toujours su? Tu as toujours aimé t'inventer des histoires. Comment ça? On sait bien que tu aimes parler en faisant croire des choses, mais on t'en veut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle peut dire que tu es un petit peu mytho et un peu mécano. Un petit peu mytho et un petit peu mégalo. C'est pas les mots qu'on a utilisés. On t'a pris comme tu es. Mytho et mégalo, c'est ce que vous pensez? Toi aussi? Mais pas pour s'accuser, je te jure que je t'avais cru. C'est vraiment une merde. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Mais vous êtes vraiment... Vous rendez compte de l'hypocrisie que vous avez entretenue pendant toutes ces années? Dans mon dos, vous me traitez de mytho, de mégalo, de je ne sais trop quoi. Et vous faisiez comme si tout allait bien. Mais tout allait bien? Puis on aimait ça! Vous aimiez vous foutre de moi! Oh, faut toujours que tu prennes mal les choses! Peut-être que je vous ai raconté des histoires, mais ça n'a rien à voir avec la mythomanie ou la mégalomanie. Qui veut encore du vin? Moi je veux bien! C'est vraiment mal de me connaître! Fais chaud chez toi, Romain! 19, hein, Victoire, ça change pas! C'est incroyable! Ah, mais c'est d'une régularité! Et je me doutais de rien! Ah, pourtant c'est 19 tout le temps! Hein. Ton thermostat est en panne! Pas du tout! C'est très blessant. Mais non. Mais si. Si, ton truc est en panne. Mais non, je te dis. Je crois que c'est plutôt ton thermostat intérieur qui est pété. Ah bah ça, on verra ce que me dira le médecin après les radios. Je plaisantais. Non mais c'est peut-être ça. De toute façon, j'ai quelque chose de détraqué. J'ai un terrain favorable au cancer. Comment ça, favorable? T'as une piste d'atterrissage spéciale pour métastase? Mais non, c'est une question de nature. J'ai une nature à cancer. Ça va pas bien, t'as une boule quelque part là. Elle a rien. Vous verrez. De toute façon, ça se passe à l'intérieur comme tout le monde. Moi, c'est estomac, colon, intestin. Puis je fais des examens plus poussés la semaine prochaine. T'es pas plus exposé que nous, Victoire. Bois pas, tu fumes pas, tu pèses à peine et tu passes ton temps à marcher sur des cendres dans ton jardin. Vous verrez, je vous dis, vous verrez. Eh bien, on verra. Tu as la cata à beaucoup, hein. Le premier qui a le cancer a gagné. Et puis cette année, le lauréat est... Mais il gagne quoi? Plaisantez pas avec ça, c'est peut-être bien ce qui va se passer. On verra. Mais non. Un petit peu à bluff, je suis d'accord. Mais toi, sûrement pas. Bon, Romain, tu vas approcher le magnétoscope, toi? Ah, mais non, je sais très bien que je vais pas y arriver, hein. Tu veux que je t'aide? Tu sais faire ça, toi? Bah, je vais surtout beaucoup de volonté. Bon, mais si tu sais pas faire, tu fais pas. On me l'a prêté. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Au sort des toilettes, s'il te plaît. Dans le couloir, au deuxième porte à droite. Tu as besoin de moi, mon cœur? Non, tu es gentil.